bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Death Stranding avec évidemment l'épisode 12. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Je vous dis à tout de suite dans le monde des échoués. Allez, on se retrouve directement dans la ville relais du lac. On avait beaucoup de choses à rendre et beaucoup de choses aussi à récupérer juste à côté. Mais avant cela, on va se vider un peu parce que là, on est surchargé. Faire une livraison. Alors déjà, on va livrer la marchandise perdue. Ça sera plutôt pas trop mal, je pense. C'est parti, on va gratter quelques niveaux. Et après, on livre la marchandise principale. Hein, évidemment, issue de l'histoire. Histoire de voir un petit peu où cela va nous mener, sachant qu'on est, je le rappelle, sur une autre partie du continent. Hey, comment ça va? Les gens me tremblent, ça me rend fier de faire partie de Bridges. Merci, Sam. Allez, ça dégage. La marchandise a été livrée. Mais non, mais attendez, on n'a rien à livrer, là. Si, 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 des médicaments, je crois. Ah, je sais plus exactement. Je sais plus exactement, attendez. On se verra à la prochaine livraison, alors. Prenez soin de vous. Allez, salut, mon pote. Alors, je sais que j'avais beaucoup de grenades à rendre, frère, une livraison. Ah, oui. Let's go, ok. J'avais totalement oublié. Une bonne nuit de repos aussi, ça serait pas mal. Un petit pipi, un petit caca, ça fait des grenades. Évidemment, il n'y a rien qui va. Il n'y a que dans ce jeu que tu peux dire ça. Bienvenue. On a observé votre bateau. On s'est vu il y a 2 secondes. Je veux pas trop faire le curieux, mais il faut que je vous demande. Tout ce que vous transportez est légal. Rien de dangereux ou d'illicite. Je suis sûr qu'ils ont déjà vérifié à votre arrivée, mais il va falloir que je fasse un deuxième contrôle. C'est bon, rien d'inhabituel à signaler. La marchandise a l'air super. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Allez, livraison, commande numéro 18, livraison de kit d'assistance, c'est fait. Ça, c'est combien, ça? Évidemment, c'est S. Ça peut être que S. Là, je vous propose que du S ou du A. Franchement, j'aimerais qu'on m'applaudisse un petit peu en commentaire, s'il vous plaît. Les céramiques peuvent désormais être utilisées dans toutes les installations. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on... Oh, 2 étoiles, hein. 2 étoiles et demie, c'est beaucoup mieux. Allez, on y va. Je veux vous entendre applaudir, s'il vous plaît. Ah, faut qu'on mette un petit panneau quelque part aussi. Parce que c'est génial, les petits panneaux. Vous avez reçu le titre de maître messager. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver d'autre en titre toujours plus gratifiant? Vous avez atteint le rang 10 d'état de la marchandise. Vous pouvez conserver votre équilibre plus facilement. Et ça, c'est cool. Ça fait une évolution constante du personnage. Désolé pour le dérangement. On n'est jamais trop prudent. Il n'y a pas de souci, moi. Oh, il paraît que vous avez un cupidon. C'est vrai. Vous pouvez nous connecter. Allez, première partie connectée. On avance. On est presque à la moitié de ce continent. C'est incroyable. Des États-Unis d'Amérique, évidemment. Oh, ça me paraît bien. Comment on peut appeler ça? Lunaire. Ouais, je dirais lunaire. Cette zone est désormais connectée au réseau chiral. Aucun problème. Alors, on fait enfin partie du réseau. C'est pas trop tôt. On gardera rien pour nous. La capitale relais saura absolument tout. Si ce partage d'infos permet de protéger tout le monde, moi, ça me convient. Et je peux vous garantir, je suis pas le seul de cet avis dans le coin. J'imagine que c'était mieux à l'époque du passage de Bridges 1. En tout cas, je me souviens pas de terroristes ou d'échoués qui nous pourrissaient la vie. Enfin, soyez très prudents. Le monde a bien changé. Et merci. Tu as enfin dépassé le point zéro, Sam. Félicitations. Et merci. Cependant, les choses vont aller en se corsant. Bah merci lors de me prévenir. Notre premier passage, c'était différent. Paisible. Les 3 villes relais, le lac, Médiane et le sud, étaient toutes partantes pour notre projet de reconstruction. Fragile Express a conclu des contrats avec les 3 et a acheminé les marchandises et relié les gens. Mais tout ça a changé il y a 1 an, quand les séparatistes ont lancé leurs attaques.
L'une d'entre elles a rasé la ville relais médiane. Ils ont fait sauter des bombes atomiques d'autrefois. La moitié de la ville relais du Sud a disparu dans l'autre. Il y a eu tellement de victimes. Bridges n'a pas du tout les ressources nécessaires pour relier les villes restantes. Nous devons nous assurer du soutien de tout le monde. Même de ceux qui ne veulent pas avoir affaire aux UCA, aussi impossible que cela paraisse. Les circonstances n'ont rien à voir avec celles de l'époque de l'expédition de Bridges 1 vers l'Ouest. La destruction de la ville relais médiane nous a notamment contraints à adopter une nouvelle stratégie. Malheureusement, comme Amélie l'a souligné, on n'a ni le temps ni les ressources nécessaires pour construire un nouveau relais de cette ampleur. C'est pourquoi il a bien fallu qu'on conclue des accords avec des gens comme les Reapers. Parce que notre seul recours, c'est d'utiliser leurs abris pour renforcer la puissance de notre réseau. Faut être d'une trempe exceptionnelle pour vivre là tout seul. C'est le genre à nous envoyer chier si on leur demande de rejoindre les UCA. Non, on est au courant. Personne ne s'attend à ce qu'ils acceptent directement. Mais même s'ils n'aiment pas traiter avec la plupart des gens, ils s'entendent plutôt bien avec Fragile Express. Oui, je sais. Vous voulez vous servir de ces références pour entrer dans leur bonne grâce. Exactement. Et elle a accepté. Et en échange, qu'est-ce qu'elle gagne? Non, pas grand-chose. Une occasion de se venger de X, peut-être. Franchement, elle a toutes les raisons de lui en vouloir. Il lui a tout pris, et plus encore. Le temps guérit certaines blessures, mais pas les siennes. Le travail qui vous attend risque de vous donner du fil à retordre, mais il doit être fait. Pour l'instant, allez vous reposer. On en reparlera plus tard. Ça fait du bien de se sentir extrêmement seul. Très bien! Et ben voilà, pipi forcé. C'est pour moi? Ça s'appelle un kippo. Et ça veut dire nœud en langue ancienne. Tu peux aussi t'en servir pour compter. Moi, je rajoute un nœud à chaque fois que je me fais un ami. D'accord. Et si j'y ajoutais un nouveau nœud à chaque fois que je te vois? Je suppose qu'il est très important pour toi pour que tu l'aies apporté jusqu'ici. Que tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait pour toi. J'en prendrai soin comme un trésor. Vous voulez grignoter ? Que vous faites là? Demandez à votre patron. Non. Je veux dire dans cette pièce. J'ai une livraison pour un porteur. Ça vous sera utile sur votre route. Ça montrera que vous êtes un collaborateur de Fragile Express. C'est fait à partir de mon sang et de cristaux Kiro. Voyez-le comme une sorte de lien. Les prépeurs de cette région seront coopératifs tant que vous le porterez. Jusque-là, on était les seuls à faire des livraisons dans le coin. C'était notre territoire. Jusqu'à ce que X foute tout en l'air. Moi, l'Express, sa réputation, la totale. Et vous voulez prendre votre revanche? En solo? Je ne suis pas en solo. La grotte, la ville relais portuaire, et puis votre chevet. Malgré la distance, on se rencontre sans arrêt. Séparé par le territoire des échoués dans lequel je risque la néantisation. Et pourtant, je suis là.
ou encore là. Vous vous servez de la grève ? Je me sers de ma grève. Vous avez la vôtre, moi j'ai la mienne. Grâce à elle, je peux me déplacer. Je ne sais pas faire apparaître des échoués comme Higgs, mais je peux le poursuivre, le rejoindre sur la grève. Le problème, c'est que chacun a sa propre entrée. Je ne peux franchir que la grève que je connais, celle que je comprends. Vous avez sûrement entendu parler du multivers ? Qu'est-ce qui se passe ? Les passages sont très éprouvants. Ils me vident de mon sang. Vous vous rendez à la ville relais frontière. Il y a plein de terroristes là-bas. Mais si vous y tenez vraiment, vous allez avoir affaire à Higgs à un moment ou à un autre. Écoutez, moi je suis qu'un livreur. Tuer des monstres et des terroristes, ça m'emballe pas trop. Et si on le faisait ensemble ? Vous pourriez vous servir de mon pouvoir ? Pas besoin de vouloir la même chose pour être dans le même camp. À travers ma grève, je peux vous expédier. Vers n'importe quel endroit où le Chiralium est dense. Vers n'importe quel endroit connecté au réseau Chiral. Et vous attendez quoi en échange ? Je veux seulement que vous y réfléchissiez. Tenez. J'espère que ça vous motivera. N'hésitez pas à m'appeler. Avec ça, on restera en contact. On se dit à la prochaine ? Ok, ça part carrément dans un délire de multivers, voyage rapide, sauter avec Fragile. Fragile peut vous transporter instantanément dans n'importe quel centre de distribution ou refuge situé dans la zone couverte par le réseau Chiral. Les objets que vous transportez seront placés dans un casier privé. Très bien. Eh ben, c'est... c'est bordélique. Un petit pipi, un petit caca, et puis on y va. On va récupérer les colis XL juste à côté, on les ramène, et ça sera limite déjà la fin de vidéo. J'ai bien l'impression aussi de réorganiser un peu l'inventaire. Ça, évidemment, je vais vous le passer, je pense, parce que ça va pas être très intéressant pour vous. On va juste voir combien j'ai de grenades. Ah, oh, putain. Si. Ah, oh, non, c'est mort. Ils veulent pas m'en donner. Ils veulent pas m'en donner. De toute façon, j'en ai ramassé pas mal, en soi. Allez, on va directement quitter. C'est pas grave, on se préserve. La prochaine fois qu'on fera un caca, c'est dans 2-3 heures de jeu, quand on aura mangé quelques verres. Entre-temps, c'est pour ça qu'elle bouffe que des verres, qui sait. Allez, on rebranche le bébé. Vous connaissez le chemin. Voilà. Toutes les greux, je vais vous passer ce passage là parce que ça va être long, et je vais vous passer aussi l'aller-retour tout à l'heure jusqu'à la ville relais du sud. Pour ce faire, vous allez devoir vous servir d'abri de prépeur en guise de station. Franchement, ça ne va pas être du gâteau. Fragile a bien essayé d'en intégrer quelques-uns, mais vous savez comment sont les prépeurs. La plupart d'entre eux ne veulent rien avoir à faire avec les UCA. Il va donc falloir que vous leur prouviez qu'ils sentiront mieux avec nous que sans nous. Découvrez quels sont leurs besoins et agissez en conséquence. De cette façon, ils accepteront peut-être de nous rejoindre. Très bien, au travail, Sam. La liste de commandes est sur le terminal. Alors, déjà on va voir si on a des trucs à recycler. On a des trucs à recycler, donc ça,
c'est très important. On fait, on a de la résine. Oui, j'ai ramassé même pas mal de trucs en vrai. On a encore de la cérame. On adore la cérame. Des poches de sang, putain, il y en a trop. Des cristaux. Ok, ça c'est fait. On va passer tout ce merdier. Je vous dis bah tout de suite. Allez, re, c'est totalement la merde. Bah, on peut pas revenir en arrière. Donc, je me suis fait baiser mon colis XL. Fait chier, ça aurait fait max de points. Mais bon, j'ai pris un max que je pouvais. C'est déjà pas mal. Commande pour Sam. Commande numéro 19. Ok. On a la 19, on a la 20 juste à côté. Et on a... On les a tous, putain, c'est terrible. 15 kilos. On peut prendre celle-ci, celle-ci. Et on peut tous les prendre au pire, hein. En vrai, on vit qu'une fois, hein. Non ? Vous en pensez quoi ? C'est une commande assez originale. D'accord. Vous feriez bien de consulter les points essentiels du résumé. D'accord. Bon. J'écoutais le briefing. Le client est un prepper de première génération, un vieux de la vieille. Il faisait déjà des allers-retours entre les abris avant le Death Stranding. Il prend un traitement et ses livraisons ont été interrompues. Résultat, il est presque à court. Vous n'avez qu'une seule caisse à apporter à ce prepper, mais elle contient tout un tas de paquets. Chaque dose compte, alors vous feriez mieux de la manipuler avec soin. La vie du client n'est pas en danger pour l'instant, mais il ne doit quand même pas être au mieux de sa forme. Ne le faites pas attendre si vous le pouvez. Ok, ok, et on a lui... Première, deuxième, troisième, ça me paraît pas mal, hein. On les prend ? Ok, on les prend. Allez, let's go. On prend tout, rien à foutre. Au pire, on reposera s'il faut. Une caisse vide dotée d'un faux identifiant. Autrement dit, une marchandise leur. Ah. Par exemple, ça peut être utile pour tromper des gens qui sont accros aux livraisons des autres. Ah. Ok. Est-ce que par hasard, on va pas s'en faire ? Ben non, mais je peux pas. Si, je peux. Ok. Porter tout sur le dos. Très très bien. Et let's go, on peut y aller. Ok, ok. Je fais peut-être une grave erreur en prenant ces trois commandes en même temps. Mais bon, hé, on dit qu'une fois, j'ai envie de vous dire. Et puis si je dois me frapper, je me frappe, les gars, hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis prêt à tout, hein, mon pote, hein. Oh, j'ai mon attrape-rêve dans le dos. Incroyable. Allez, normalement, ça devrait être bon. J'ai quoi quand même cavaler un petit peu. Alors, faites bon voyage. C'est le plus proche. Ah, wow. Ça commence mal. C'est très très mal. Peut-être que regarder sa boussole en courant, c'est pas la meilleure chose à faire. Ok, ok, ok. Alors, waouh. Attends, quoi? Waouh, 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 waouh. 800 mètres. J'ai chaud. Vous allez traverser le territoire des mules. Soyez discret et ne traînez pas. Parce que s'ils vous voient et qu'ils vous attrapent, je suis cuit. Dire que leurs parents étaient des porteurs exactement comme vous, qui ont risqué leur vie pour essayer de sauver notre pays. Et maintenant, leurs détraqués de mômes ont repris le flambeau sans avoir la moindre idée de ce que ça signifiait à l'époque. La livraison est devenue un rituel pour eux. Une dépendance insatiable. Ils n'hésiteront pas à s'en prendre à vous pour avoir leur prochaine dose. Ok. Eh ben écoutez, moi je veux un putain de véhicule. Ah ouais, non, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. 800 mètres, waouh. Je veux un putain de véhicule. Je peux ou pas? J'ai essayé derrière, ça marche pas trop, tu vois. Mais là, on sait jamais sur un malentendu. Bah ouais, non, il y a une croix. Il y a une croix. Oh là là. Ok, 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 ok. Bon, regardez ce qu'on va faire. Déjà, on va prendre ça. Si jamais je dois me péter, frère. Ça va être chaud. Faites bon voyage. Utilisez les liens pour éviter les attaques au corps à corps. Ça, j'ai bien compris. Ok. Je vais mettre un petit panneau courage pour les autres. Ça me paraît pas mal. Attends, 153 likes pour cette merde. Attends. Je vais souhaiter bon courage aux gens. Rien à foutre, hein. Je vois pas pourquoi. Ok. Allez, force. Abandonnez pas, putain. L'utilisation d'armes est interdite. Fin de l'interdiction des armes. Ok. J'ai déjà peur. Ok, il y aura une montagne. Bon, c'est magnifique. Mais c'est loin.
Mais c'est magnifique. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires avec le temps et je sais que vous êtes très nombreux à pas spécialement avoir du mal. Voilà, hein, soyons francs, à accrocher avec Death Stranding. Ce que je peux comprendre, mais comme je vous dis, c'est tellement chill en fait que tout va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est tu te reposes. Tu te cales là, sur la vidéo, tu mets en bonne qualité. Là, littéralement, il n'y a pas plus chill que ça. Attends. Ok. Donc, tu te cales, tu te mets bien, tu passes un bon moment. Ok, ça va être beaucoup mieux comme ça, hein, parce que là, c'était un enfer. Merde, putain, fais chier, excusez-moi. Ouais, mais là, les menus, c'est assez terrible. Hein. Ok, toujours le croix, rester appuyé sur croix pour valider. Il aurait pu faire les choses un peu autrement, celui-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, attendez, remarque. Menu de la structure. Qu'est-ce qu'on a là? Reconstruire des routes? Avant, il y avait une autoroute qui traversait la région. La première expédition a laissé un paveur derrière elle. Mais il vous faudra plus que ça si vous voulez finir le travail. Ok. Ok, ok. Il faut quoi? Ah, il faut des cristaux 150. Bon, si, on peut en mettre, attendez. On peut en mettre 150 dans la structure. Impeccable. Ouais, il manque donc métaux et céram. Bon, très bien, je vois. Allez, régale-toi. Juste pour un petit morceau de route. Ça risque d'être un peu embêtant. Mais à mon avis, pour les véhicules, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est tout. Oh putain, il a détruit du métaux. Là, on a quoi là-haut là? Ville relais. Ouais, mais j'ai pas trop de. On va pas faire les fous, j'ai pas trop de quoi. Bon! Alors, bienvenue sur le territoire des méchants. 500 mètres, allez, c'est faisable. Ça va se faire vite. Et on va pouvoir mettre fin à cet épisode. On aura fait un petit chemin quand même, mine de rien. Voilà. Voilà. Allez, go, on y va. Ok, 500 mètres, c'est parti. C'est pas très loin en vrai. Après 500 mètres, il me restera 500 à faire. J'espère juste pas trop tomber sur des méchants. Les scanners des tours de guet et le scanner marchandises, ok, peuvent être utilisés pour identifier la position des mules. Ouais, j'entends bien. Mais... scanner de marchandises, très bien. Ouais, mule. Quoi? Salopard. Ah, je l'avais pas vu, putain. C'est bien. Juste une alerte qui a été donnée. Ça va le faire. On va faire tranquillement tout le tour. Ça va le faire, aucun souci. Je stresse pas. Par contre, forcément, on doit passer par eux. C'est un peu plus embêtant. Wow. Calm down. Qui voit l'âge? Ils ont leur batte-repère. Ok, 400 mètres, je suis dans une sauce. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Ok. Oh, j'ai peur. Je l'avais pas vu. Ah ouais, faut vraiment observer, hein. Attendez. Voilà. Je
c'est pas dans les hautes herbes. C'est bon, il y en a qui sont venus voir. Attends. On peut pas mettre un... Voilà. Allez, ça dégage. Ça dégage, mon frérot. Ça dégage, mon frérot. Quoi ? Ok. Allez, salut, mon pote. La sauce! Wow, 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 wow! La sauce! Wow, 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 wow! C'est une sauce de catégorie 8! Allez, on court, hein! On se raccroche à la vie! Ah, ça va, les gars! Tout va bien! Non! Aïe! La sauce! Aïe! La sauce! Ma vie est nulle! Aïe! C'est rien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, putain de bordel. Ok. Ok. Oh oh oh. Je tape l'esquive, mon pote. Aïe. C'est bon. Tout va bien se passer. Aïe. Bien joué, ça. It's ok. Oh putain. Ok. Oh, j'ai perdu aucun colis. J'étais un monstre. Je l'ai ramassé en cavalant. J'adore ce jeu. J'ai pris ma part tout le long. Mais ça va. It's ok, tu vois. Oh la vache. Incroyable. Ok, attendez, bougez pas. Ça. Bah écoutez, on peut pas manger. Oh non. C'est dommage. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Allons livrer cette commande et mettons fin à cet épisode. En fait, j'y repense, mais j'ai rigolé. C'était drôle. Écoutez, moi, ça m'a fait rire. Je prenais ma sauce, je prenais ma part tout le long, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. C'est parti. Ensuite, et on sera allégé de 15 kilos, c'est pas mal du tout. Allez, on lui donne ça. Et on se retrouvera pour le prochain épisode, évidemment, pour les deux autres commandes, qui sont encore à 400 ou 500 mètres, et je pense qu'il va y avoir des échoués. Je vais prendre ma part, littéralement, de toutes parts. Merci. Sam Bridges, je présume. J'ai entendu parler de vous. L'homme qui parcourt tout le pays à pied pour reconnecter les habitants. Je vous remercie de m'avoir apporté ça, vraiment. Les temps sont durs sans Fragile Express pour gérer les livraisons. Permettez que je vérifie la marchandise. Ça alors, vous en avez vraiment pris le plus grand soin. Je tiendrai Bridges au courant des tests de validation. Merci encore. Allez, mission complete. Taux d'endommagement de moins de 50%. 12%, ça va. Et rang S, hein. Rang S, mon pote, hein. On les prend, les rangs S. Bien sûr qu'on les prend. Allez, on se régale. Oh la vache. Ouh, c'était pas évident, hein. Par contre, il y a beaucoup de stuff à récupérer. Il faut que vous soyez conscient d'une chose. À propos de Fragile, vous avez peut-être entendu dire qu'elle avait aidé des terroristes sans se soucier des victimes. Mais moi, je vous dis que c'est forcément faux.
Avec son équipe, elle a souvent mis sa vie en jeu pour nous apporter ce qu'il nous fallait. C'est une véritable héroïne. Écoutez, moi je suis né dans cet abri. Ma connaissance du monde, elle se limite à ses murs. Alors quand les gens parlent de l'Amérique, je suis incapable d'imaginer de quoi il s'agit. Mais si Cupidon me connecte à tout le monde, j'aurais plus besoin de l'imaginer. Alors oui, je veux rejoindre les UCA. Je veux voir ce que j'ai raté jusqu'ici. C'est fait, on a deux autres abris encore à visiter, aucun souci, squelette renforcé. Oh, grenade fumigène, oh. Oh, ça en fait des choses, cette zone est désormais connectée au réseau Kiral, qui vous permet notamment de voir les structures. Nickel, des autres joueurs évidemment. Et voilà, mon imprimante 3D autonome peut désormais effectuer des impressions Kiral. Si ça fonctionne... L'unité Evo-Devo devrait me permettre de reproduire toutes sortes d'objets archivés. On peut reconstruire l'Amérique, morceau par morceau. En attendant, grâce au réseau, je peux voir ce qui se passe dans les villes, suivre l'activité des mules et des terroristes. C'est un peu comme si vous m'aviez apporté le monde entier dans ce paquet. Merci, Sam. Je referai appel à vous. Ah, au fait, j'ai un petit quelque chose à vous faire essayer, si vous voulez bien. Un module d'assistance que j'ai conçu moi-même. Il fonctionne parfaitement en simulation, mais j'ai besoin de quelqu'un pour le tester en conditions réelles. Et si vous facilitez un peu la tâche, c'est tant mieux. Oh, nouvel exosquelette, ça me plaît, ça. Sam, okay. Une fois les squelettes actifs fixés sur vos jambes, vous pouvez décupler vos capacités physiques. Le simple fait de porter un SA vous sera d'un grand secours, mais vous pourrez également le booster pour maximiser son potentiel. Allez-y, essayez-le. Je peux vous dire que vous... D'accord, mais ça s'abîme pas, j'espère. C'est à vie. Dégâts sur le conteneur, très bien. Ça a l'air de s'abîmer. Enlever la marchandise et équiper. Bon, let's go. Hein, décrochera les marchandises qui sont accrochées à vos... Y a pas de souci. Allez, go. Je les ramasserai. Très bien. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Ah, par contre, je peux... Beau travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. D'accord. Je devrais courir un petit peu plus vite. Mais on verra ça, évidemment, la prochaine fois. Est-ce que je peux organiser? Ça veut dire que je crois... Ah, bah oui, d'accord. Donc, je ne peux plus rien mettre sur mes hanches. Forcément. Très bien. Donc, ça a quand même un défaut. Bon. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. On se revoit très vite pour reprendre une petite sauce tous ensemble. Et évidemment, on ira livrer les deux autres colis et on aura déverrouillé et linké deux autres régions. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao.